Allez, on repart du coup pour un petit match entre Meo et Oramni qui vont nous jouer un petit Mewtwo au Mewtwo Ridley. Alors là c'est bon, là, ça a l'air de plus laguer là. Ça a l'air de plus laguer. Ok. Non c'est bon. Ok, on peut jouer, on peut commenter. On peut continuer à la dose online. Allez, on est reparti. Du coup, bon, on va voir comment ils s'en sortent les deux joueurs. Hein. Clairement, alors on a déjà vu que les deux ils savent plus ou moins bien jouer leur perso. Franchement, c'était bien vu, bien vu. Oramni qui nous a traîné un Ridley. Et bah franchement, sympa toi sur Ridley. Vraiment très très sympa. Ok, ouais, bien vu ça. Ok, on va toucher quelque chose. Il veut beaucoup de B par contre. Hein. Il veut beaucoup de B. C'était pas forcément le meilleur truc. Oh, c'était stylé. Ah, c'était Ziglas. Oh là là, mais ça a tellement de flow Mewtwo. Mais ça a tellement de flow Mewtwo. Vous savez que je les main pendant 2 mois. Après, je drop. Parce que fuck sa queue. Mais c'était trop, c'est trop stylé Mewtwo. Vous savez quoi? Si je dois remplacer quelqu'un aujourd'hui, je vous montre Mewtwo. Mon Mewtwo, il est quali, hein. Est un genre de plante de base. Ouais, bah là, du coup, c'est un, il a un giga Mewtwo. Qui, en plus, il est en train d'exploser au Rami, mais modèle violent, là. Là, vraiment, il le mène tellement loin. Pourquoi il est plus aussi bon? Ça Earthbox. Non, ça Earthbox. Sa Earthbox est beaucoup trop grande et il se fait niquer de tous les côtés. Il a toujours un excellent advantage state, hein, vraiment. Vraiment un excellent avantage state. Super fort le perso. Oula. Mais sinon son désavantage, il est vraiment horrible. Pas d'out of shield non plus. Enfin le nerf c'est pas foufou. Enfin vraiment c'est. Il y a des faiblesses quoi perso. Il y a des faiblesses, beaucoup de faiblesses. Mais son avantage, il est si stylé. Et ça va être un 3 stock. Et ça va être un gros 3 stock. Mais oui bien sûr l'air dodge. Hein. Pas que l'air dodge, mais aussi l'air dodge qui fait qu'il est moins fort. En tout cas, on peut quand même faire des choses super stylé avec, avec Mewtwo. Ça va faire 1-0 pour Meo, du coup. Et ça va pas laguer, voilà. Oramni qui coupe le stream, forcément, ça va mieux. Oui. Logique. Ouais, le téléport cancel, en vrai, ouais, tu l'as encore, mais c'est... C'est totalement... Enfin, c'est beaucoup moins utile, en fait. C'est vraiment, vraiment moins utile. Ça sert beaucoup moins que sur Smash 4. Ah, et le Link d'Oranmi. Voilà, le Link d'Oranmi qui est quand même là, qui est quand même présent. Ouais, mais Projectem, mec... Projectem, hein. J'aimerais bien essayer d'apprendre un perso, mais lequel? Bah, si tu veux. Celui que tu veux, mec. Celui qui te fait kiffer le jeu, tout simplement. Allez, on va partir du coup sur DF. Alors, en vrai, le match-up, je sais pas trop ce qu'il vaut. J'irai un petit avantage pour Link, quand même. Franchement, son air, il peut battre pas mal de choses. Il peut trade avec la queue, etc. En plus, il a une épée en général, donc... ouais, je pense que... Je pense que ça fait. Je pense que c'est plutôt pour Link en plus. On va voir ce qui va se passer. Oh, ça pourrait être super stylé. Mais non, on va prendre un giga sweet spot. Il faut savoir que le Smash il a un sweet spot. Hein. Sur le tipper du. Enfin, sur le bout, il a un sweet spot. Super, par contre, utilisant du shield passif de Link pour effectiver la Shadow Ball. Bien joué. Ok. Ah bah non. Ah bah on sait punir forcément. Allez, Meo la tranquille, en Mewtwo des plus quali. Encore une fois, le bouclier passif qui aide bien. C'est vrai que le bouclier il aide beaucoup dans le match-up. Hein. Ouais, non, je trouve sympa. Je trouve sympa son Mewtwo. Il connaît le perso, il fait des trucs sympas. Oh, oh le gros B qui va tuer là. En vrai, c'est tellement pas safe de faire ça que Meo s'y est pas attendu, il s'est fait oh. Ouais, disons que Aura c'est pas un Oh, bien vu ça, encore une fois. Eh, vous voyez ça, c'est Dumb Bella, j'en faisais jamais, ils étaient si forts. Non, non, vraiment, il est super stylé son Mewtwo. Il a tenté de faire une grosse douille, hein. Il a tenté de faire une giga douille, hein.
Ok. Gros hashtag, hein. Zone mis en tech chase. Ouais, mais je savais pas le faire, je osais pas en fait, tu vois. Je osais pas le faire, j'avais un peu peur, tu vois. Genre, je me disais, ça va pas passer, je vais me faire punir, etc. Encore du gros sweet spot qui est trouvé. Ouais, là, la connexion par contre. Ok. On tente de douiller, malheureusement, ça va pas connecter. C'est bien, on met off stage. Oh, bah, c'était quand même évident là qu'il allait le balancer là. Mais arrête de le faire en cette bombe. Ça prend toute la part de PS2, il est obligé de se le prendre s'il fait le bon timing. Et si tu l'as pas, tu prends pas de risque. Ouais, non, mais oui, bien sûr. Encore le même B qui va toucher tous les hits et qui va tuer. Et bah, franchement, bien vu. Ok, bien vu. Ça, par contre, ce petit air. Ok, forward air, ça va pas encore prendre la stock. Hormis qu'il a plus le droit d'erreur. Hein. Ah, bah, qui a fait son erreur quand même. C'est dommage. Du coup, bah, qui va. Mourir et proposer, voilà, accorder la deuxième victoire nécessaire pour augmenter le BO3 à Méo, et je coupe le record là-dessus.